slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online encore une nouvelle fois pour une vidéo de mode. Donc vous pourrez trouver la chaîne de Last Brabus dans la description. Alors vous l'avez vu dans le titre, on va parler de deux choses essentielles dans cette vidéo. Donc c'est encore des informations qui me sont parvenues par l'application Happy Gamer qui m'ont l'air d'être vraies, mais après vous pourrez donner tous vos avis dans l'espace commentaire comme à chaque vidéo. Alors en premier plan, nous allons parler un peu de la sortie de GTA 5 sur Next Gen. Et après, on va parler d'un petit bonus d'argent. Donc, vous irez voir dans la description, il y a un screen qu'il faut impérativement voir. Peut-être que ce screen peut nous mener à faire des conclusions et peut-être des choses pour le futur. Après, je ne sais pas si c'est Rockstar qui a fait exprès de faire divulguer ce genre d'informations. Mais enfin bref, on va commencer et introduire le sujet. Donc dans la description, vous pourrez apercevoir un screen qui a été pris par un Allemand. Donc je dis bien un Allemand, Deutsche Qualität. Un Allemand sur PS4. Et quand sur la PS4, vous tapez la recherche GTA 5, et bien quand vous tapez la recherche GTA 5, vous pouvez apercevoir que la date de sortie de GTA 5 est prévue pour le 11 novembre. Soit 2 semaines avant la sortie officielle qui avait été prévue par Rockstar. Alors, spéculation ou rumeur, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Rockstar qui a fait exprès, mais en tout cas, c'est bien écrit noir sur blanc. Si c'est écrit noir sur blanc, ça veut dire que cela vient de Sony. Je pense pas qu'il y ait eu d'erreur de la part de Sony, surtout pour un jeu comme GTA V. Et après, ce qui peut nous mener à croire que GTA V sera là beaucoup plus tôt qu'avant, que prévu plutôt, c'est que juste en dessous on peut apercevoir un pré-order bonus. Donc c'est de l'argent bonus. Apparemment il y aurait un pack gratuit qui nous permettrait d'avoir de l'argent supplémentaire sur GTA V. Et ce pré-order est indiqué à la même date que la sortie de GTA V, soit le 4 novembre. Alors le 4 novembre, peut-être qu'il y aura la sortie de GTA 5, peut-être pas, j'en ai aucune idée. Moi, je vous fais part des informations que j'ai, même si c'est des rumeurs. Je sais vraiment pas ce que vous en pensez, vous. Vous lâchez tous vos avis dans l'espace commentaire, comme à chaque fois. Moi, je vais vous donner mon opinion vite fait. Alors, ça m'étonnerait fort, mais peut-être que Rockstar aurait décidé de ravancer la sortie de GTA 5 sur Next Gen, mais ça m'étonnerait fort, surtout qu'ils n'ont pas fait une annonce sur le site Rockstar ou le même Social Club. Aucune information. Moi personnellement, je viens juste de précommander GTA 5 sur Next Gen à Micromania. Il y a bien écrit que c'est prévu pour le 18 novembre. Alors, est-ce une erreur de Sony ou est-ce que c'est Rockstar qui a fait exprès? Sur Xbox One, je n'ai pas pu trouver la cache GTA 5 pour pouvoir faire un petit, pour voir un peu ce qu'il y avait écrit sur la cache GTA 5. Donc voilà, vous laissez tous vos avis dans l'espace commentaire comme à chaque vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Vous lâchez un petit like et un petit partage, ça fait toujours plaisir. Invitez vos amis à commenter cette vidéo pour qu'ils donnent leur avis à leur tour. Je vous invite encore une nouvelle fois à aller regarder la description. Il y aura le screen plus le lien vers le forum, le topic où il y avait écrit cela. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt. Allez, ciao bébé tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.